Salut à tous, c'est Roman, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Back to Basic numéro 5. Alors aujourd'hui, il va être question d'échauffement à la guitare. Donc vaste sujet, l'échauffement. Est-ce qu'il faut en faire, est-ce qu'il ne faut pas en faire? Je dirais oui et non. Si vous n'avez jamais fait d'échauffement, vous pouvez effectivement commencer par l'exercice qu'on appelle un peu l'araignée, là, le chromatique. Il est correct, en fait, hein, il faut savoir le faire, je pense, mais il présente plusieurs problèmes, de mon point de vue. Déjà, à quel moment vous avez entendu un solo qui commençait comme ça ? Je pense pas beaucoup. Peut-être dans Dream Theater, sur certains trucs. Mais sinon, a priori, vous ne faites pas des solos en faisant forcément toutes les notes chromatiques comme ça. Donc, on va laisser celui-là de côté et on va essayer de réfléchir ensemble à quelle serait une façon peut-être un peu plus intelligente de s'échauffer. Donc, si déjà vous avez 30 minutes pour votre session de guitare du jour, peut-être vous pouvez zapper l'échauffement et simplement jouer vos morceaux pour entretenir votre répertoire. Ça, ce serait la première chose que je vous dirais. Deuxième chose, on va essayer de repérer nos notes naturelles. Vous êtes un petit peu plus familier normalement avec la corde de mi grave. J'espère, en tout cas, et que vous pouvez repérer. Donc nous, on va se placer sur les deux petites cordes dans une perspective de jeu est-ouest. Donc qu'est-ce que c'est le jeu est-ouest ? C'est un jeu qui se limite à une ou deux cordes. Donc ça, je l'ai pas inventé, je l'ai piqué à un guitariste sur YouTube, encore une fois, qui s'appelle lui David Gauthier, et qui fait des cours plutôt orientés jazz, improvisation et tout ça, et c'est lui qui m'a fait découvrir cette façon de se déplacer sur le manche. Donc on va prendre la corde de si. Pourquoi ? Parce que notre premier doigt commence avec la note do en première case, et on peut repérer nos notes naturelles comme on avait fait sur la corde de mi grave. Faire pareil avec la petite, en partant du mi cette fois-ci, mi, fa, sol, etc. Une fois qu'on a fait ça, on va tout de suite faire un motif et voir les différents motifs qu'il y a ensemble. Alors, ce qu'on va appeler un motif, c'est un groupe de trois notes, comme par exemple mi, fa, sol ici. Donc entre nous, on va dire que ça c'est un motif gauche, si vous êtes droitier et que vous avez votre main gauche sur le manche, puisque en fait on a deux doigts à gauche. Si on passe sur la petite et qu'on fait un motif droit, ça va donner 5, 7, 8, et on sait ce qu'on va appeler un motif droit. Donc vous pouvez commencer motif par motif, en faisant des croches quoi. Ou même juste... sur la petite. Après, on peut mixer les deux. C'est bien, c'est correct, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'on joue comme débit rythmique, là, en fait. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est toujours le batteur virtuel que je vais mettre à partir de maintenant, et puis... Voilà. Et on va jouer des croches. Ça permet de nous repérer un petit peu plus dans le temps. Ok ? Respectez bien l'aller-retour. Donc il y a un motif qui fait bas au bas. Et l'autre motif, normalement, si vous respectez stricto sensu l'aller-retour, qui fait haut, bas, haut. Ok ? Si par exemple, au lieu de diviser le temps en deux, maintenant on fait des triolets, ça tombe juste puisqu'on a trois notes par corde. Ce qui ferait du coup... Alors pour ceux qui ne savent pas, les triolets, c'est trois notes. Hein, trois notes par temps. Ta, ka, ti, ta, ka, ti, ta, ka, ti, ta, ka, ti, ta.
en descendant. Ce qui est important, c'est de limiter les mouvements main droite et main gauche pour vous déplacer le moins possible. Donc, est-ce qu'on peut faire ça en triolet là-dessus ? Donc on pourrait aussi développer ça un petit peu ailleurs sur le manche en essayant de trouver les autres motifs qui se cachent dans notre naturel si on les systématise dans un jeu Est-Ouest en trois notes par corde. Donc je m'explique. Là on est parti du Mi. On a dit que ça c'était un motif gauche. Et ça, le motif droit. Et bien en fait, il va y avoir des combinaisons un petit peu de ces différents motifs. Et le dernier qu'on va voir, c'est le motif qu'on va appeler central. On peut faire par exemple en 8, 10, 12 sur les cordes de Si et Mi. Donc remarquez bien que je ne fais surtout pas ça. Non, je ne lève pas les doigts, je les laisse en place. Et deuxième chose, c'est que le motif, je le fais en doigté 1, c'est-à-dire index, 2 pour le majeur et 4 pour le petit doigt. Ok ? Alors il est possible aussi de le faire en 1, 3, 4. Moi personnellement je déteste ce motif-là. Dès que j'ai un motif central à jouer, ce doigté-là, pardon, dès que j'ai un motif central à jouer, je le joue très rarement en 1, 3, 4. Ça c'est personnel. Après, j'ai remarqué que moi j'étais plus à l'aise en 1, 2, 4. Donc on a le motif gauche, le droit et le central. Et bien si vous repérez vos notes sur les deux dernières cordes, vous allez voir qu'il n'y a que des combinaisons de ces trois motifs-là en fait. Donc si je pars de Do, ça va faire central, central. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, ça fait central, central. À partir du Ré, cette fois-ci on a un motif droit, mais regardez, je le fais en doigté 1, 2, 3 cette fois. Pourquoi ? Ben parce que derrière j'ai un motif central, du coup ça sera plus facile. 1, 2, 3, 1, 2, 4. Ensuite, celui-là, on l'a vu, gauche-droit. À partir du Fa, ça va faire central, démanché plus 1 et gauche. Puis central-central, droite-droite, que vous pouvez faire en doigté 1, 2, 3, 1, 2, 3, puisque les cases deviennent plus petites, donc ça peut être une façon de faire, ou sinon 1, 3, 4. Et gauche-gauche. Et avec ça, vous avez couvert tout. Donc vous pouvez le faire en croche. De façon ascendante ou descendante. Ascendant et descendant, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et après, ben, si vous êtes à l'aise avec tout ça, on peut commencer à parler de motifs un peu plus complexes, toujours avec le même concept. Donc par exemple, on fait intervenir un débit de double croche. Donc si je prends le motif gauche-droit, pour faire de la double croche, on pourrait faire ce motif suivant. Je pars de la troisième note et j'entoure celle du milieu. Alors là, je vais le faire en croche et après en double croche. En descendant, on peut faire ascendant, descendant, comme ça, ça fait une cellule qui monte et qui descend. Et après, on peut démancher chaque petit secteur
et appliquer ce même truc-là. Donc, allez, avec un peu de disto. On va faire ça. Donc d'abord, peut-être en croche. C'est progressivement de vous rendre un petit peu à votre limite personnelle où vous commencez un petit peu à sentir de la misère, mais pas trop, quoi. Ok ? Donc, c'est un bon moyen d'appréhender les différents débits rythmiques, les démancher sur le manche, et tout ça dans le cadre, en même temps, d'un repérage de notes, d'un travail de technique, d'aller-retour, de déplacement. Enfin, il y a plein de choses au sein d'un même exercice, et moi, je suis assez fan de ce genre de truc, du moment que vous faites ça en rythme. Alors, le dernier petit conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas faire ça trop longtemps, quoi. Faites pas ça une heure, quoi. Ce serait complètement idiot et pas très productif en termes de résultats, quoi. Le but du jeu, vous allez récupérer un petit document qui ressemble à ça, c'est d'augmenter un petit peu votre technique générale sur l'instrument, bien sûr, et vous avez à gagner en fait sur trois facteurs qui sont la souplesse, la force, l'indépendance, pour arriver progressivement à avoir plus de dextérité. Donc je vous ai remis les patterns, hein, les motifs gauche, droit, gauche plus droit, et central avec les différents coups de médiator en fait. Donc essayez de bien les respecter, après essayez d'étudier ça sur toute la longueur du manche, et puis bah, faites ça 4 à 5 minutes et vous verrez que normalement vous aurez déjà beaucoup moins de problèmes techniques, et puis vous serez peut-être un petit peu plus... chaud pour votre session de guitare, quoi. Ok ? Donc faites pas ça si vous avez que 30 minutes devant vous, mais si vous avez une heure, ça peut être intéressant de systématiser un peu un exercice d'échauffement comme ça pendant un temps, de façon un petit peu à augmenter votre aisance générale sur l'instrument. On se retrouve pour un prochain Back to Basic. À bientôt.